Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de FDJ officielle, Les Princes et Princesses du Ghetto. Voilà. Parodie des Princes et Princesses de l'Amour. Et plus c'est affinité et ring c'est animosité. Donc normalement, il y a un ring là tout de suite. Un combat de boxe entre Lyonnais et Parisiens. Donc et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Là c'est Crimi, T-O-U-M-A. J'envoie une rafale, ça fait très mal. Y'a pas de putréma. Dans le hood, j'ai trop traîné. Ta soeur l'a traîné. Ton corps par terre, on va le traîner. Si tu fais le trimard, Super Noël sans le traîneau. Dark et le training. Dark et le training, elle me trouve un tyran. Not again. Yeah, I learned the game from William Wesley. You can never check me. Back to back for the niggas that didn't get the message. Back to back like I'm on the cover of Lethal Weapon. Back to back like I'm Jordan. Princes et princesses du ghetto. Comme on vous a promis, aujourd'hui, il y a le grand combat. À ma droite, le Parisien avec un combat, une victoire. Et à ma gauche, le Lyonnais avec deux combats et deux victoires. Donc, si vous allez sur notre Telegram, c'est vous qui votez et vous avez une heure après qu'on vous déposé le sondage pour qu'on dise si c'est le Parisien qui a gagné ou si c'est le Lyonnais. On vous attend. Allez les gars! Allez Lyonnais, allez Parisien! Ouais, j'ai mis! Allez Lyonnais! Ouais, j'ai lu Lyonnais. Allez, Parisien. Top. Bonjour les gars. Stop.
Allez gars, on donne tout, c'est la fin là bientôt. Est-ce qu'il nous remonte?
plus. Allez, 30 secondes, les gars, reste. 30 secondes. Il n'y a pas que la tête. Il n'y a pas que la tête. Il n'y a pas que la tête. Encore. Le corps, putain. Remontez-moi le corps. Je veux ton poids. Un enchaînement, un, deux, trois. Ton poids. Pas de tombe. Bam, bam. Pas de tombe. Ton poids. Ton poids, je l'ai dit, ton poids. Allez, allez. C'est fini, les gars. Top, top. Bien joué. Bien joué, les gars. Ouais, super. Bien joué, les gars. La team FDJ, après l'effort, réconfort. Direction Big M. Big M. Merci à Big M de nous recevoir après chaque combat. Je vous ai dit, ils sont situés de partout, dans toute la France et aussi dans le Rhône-Alpes. Donc voilà le combat. Je vais vous dire ce que j'en pense. Franchement, c'était un combat serré, on va dire. C'était un combat très serré. Voilà, ça va se jouer au point. Je trouve que le Lyonnais a des bonnes esquives. Et le Parisien a des bons déplacements. Mais là, sur ce petit terrain réduit, il n'a pas pu trop jouer avec ses déplacements. Salut la team FDJ, salut les princes et princesses du ghetto. Je sais que vous êtes tous en train d'attendre impatiemment le combat de ce soir qui opposera notre Parisien, le Pirate, avec une victoire sur un combat à la FDJ et qui opposera face aux Lyonnais deux combats et deux victoires à son actif dans la team FDJ. Mais avant ça, je vais vous partager un snap. Vous avez juste à swiper. Là, je viens de vous partager l'un des meilleurs snaps de vente de vêtements authentiques, original et d'accessoires. Bon, il y a des parfums, il y a des il y a des ceintures, il y a du Lacoste, il y a du Ralph Lauren, il y a tout ce que vous voulez. Et sur le snap que je vais voir, que c'est un gros signe des accessoires pour vous régaler. Vous êtes le Walmart. Pour le Ralph. On continue. Et Ralph Lauren. Z, The House of Food. Yo. Voilà. La team FDJ. Ouais, je mettrais Lyonnais gagnant, mais de peu. Voilà, c'était un match disputé. La team FDJ. Bon, déjà, moi, j'ai rien contre l'avis du public. Le public, il a toujours raison, d'accord. Donc, y a pas de souci. Y a pas de souci. Je suis d'accord avec le public. Sachant que quoi ? Sachant que moi, je sais que le public, il m'a pas reconnu. Moi, je sais que le public, il a pas vu le Black Tiger qu'il voulait voir. Moi, ça, je le sais, moi. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voté pour moi. C'est pas qu'il a gagné, c'est que j'ai pas été celui que je devais être, d'accord ? Maintenant, voilà, moi je devais affronter Achour. Moi je devais, quand j'ai vu Achour, je vous le dis, quand j'ai vu Achour, j'ai envoyé les vidéos, j'ai dit je me prépare pas. J'ai pas le temps. Tiens, je fume, je m'en bats les couilles. C'est aux dernières minutes qu'on m'a mis un combattant. En dernière minute, et je me suis dit, ah, j'aurais dû me tenir prêt, d'accord ? Donc, l'aventure, elle n'est pas terminée. Et sachant qu'en plus l'aventure elle se termine bien. L'aventure elle se termine super bien. Salam alaikum la team. Comment ils vont? Tout le monde y va bien? Impeccable. Voilà. Alhamdoulilah mon frère, on est bien rentré. Attends, je vais pas écraser le verre. Ouais, et voilà, on est bien rentré. On a fait un beau combat. Alhamdoulilah. J'espère qu'on vous a bien régalé les frérots. Moi je me suis bien régalé. Et j'espère que toi aussi la piraterie, tu t'es bien régalé. Et voilà. Hein. Et merci aux frérots qui ont voté pour moi, la famille. Voilà, merci les frérots, c'est très très sympa. Voilà, c'est très sympa. Et voilà, ça fait chaud au cœur, les frérots. Et merci, voilà, ça fait grave plaisir. Voilà. Et ouais, au début, j'étais un peu réticent en vrai pour les votes, tu vois. Juste le public qui vote. Voilà, je vous mens pas, au début, je me suis dit, voilà, c'est un coup, tu vois. Et j'étais réticent un peu, tu vois. Je me suis dit, ils vont plus voter pour le mec qu'ils aiment ou ils vont vraiment voter le combat, tu vois. Et en vrai, j'ai vu à mes frères postuler, voilà, même les jeunes, lancez-vous, voilà, les frères. Voilà, tu vois, c'est un bien, les frères, c'est pas un million, mais t'as 500 balles en 9 minutes, frérot. Tu vois ce que je veux dire, c'est qui te les donne, frère. Voilà. Moi, je dis respect FDJ, les frères, voilà. Moi, je préfère voir un frérot
qui va et il boxe, qu'il va en bas d'une tour vendre de la drogue, tu vois ce que je veux dire? Ah, le choix, il est vite vu, les frères, voilà. Il n'y a pas que la drogue dans le ghetto, les frères. Il y a de tout, des footballeurs, des danseurs. Des... Hier, on vous avait promis une surprise sur Telegram. Les deux boxeurs, on leur a offert un voyage. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك. Merci Big M, franchement Big M, y'a rien à dire. Venez, c'est vraiment, vraiment, ça en vaut vraiment la peine. Grand mangeur les frérots, venez vous régaler les frérots, on est là. Vrai mangeur. Frérot, on est prêt pour décoller. Ouais, ça va décoller là, c'est parti. On sait pas où on va aller, mais let's go les frères. On a fait la guerre, maintenant on va faire la fête. Frérot, on est prêt pour décoller. Donc destination inconnue, les sacs à dos sont prêts. Voyage offert par Big M et FDJ. Donc bravo, bravo. Donc là, je vais vous dire ce que je pense du combat en tant que simple spectateur. Je pense que voilà, le terrain était réduit. Donc pour le Parisien, lui, sa force, c'est les déplacements. Donc il a ça en moins. Mais peut-être qu'il ne pouvait pas choisir la salle qu'il voulait le jour précisément. Donc ils ont fait avec. Et le Lyonnais, je trouve, il a des bonnes esquives, il en place beaucoup, il en place beaucoup. Et je trouve même que le Lyonnais, c'est du gâchis, parce que s'il fumait pas, il est très fort, je trouve, le Lyonnais en boxe, mais en plus, il fume et tout ça. Je suis sûr que s'il fumait pas et tout ça, il a du talent, je suis sûr qu'il serait encore un peu plus fort. Après, je trouve que c'était serré quand même. Je trouve que c'était serré parce que, comme on l'a vu, le Parisien, le pirate parisien, il frappe aussi, il boxe et il en place pas mal. Il en place pas mal, mais le Lyonnais l'esquive pas mal. Bon, il n'a pas pu exploiter son point fort qui est les déplacements dans un ring assez réduit. Mais à la finale, ça se joue sur peu de choses. Et finalement, les deux sont gagnants avec ce petit voyage. Voilà, c'était les princes, on ne peut plus dire les princes et princesses du ghetto, on va dire les boxeurs et boxeuses du ghetto maintenant. Voilà, parodie des princes et princesses de l'amour, version humour ghetto, plus c'est affinité, ring c'est animosité. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis des potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2. Donc on verra la suite dans le prochain épisode. Quelle était la destination? Tchuss. Et Eid Moubarak à tout le monde aussi. Bonne fête à tous les musulmans.